Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans un journal spécial Sila sous Média Haïtien. Journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité concernant le pays d'Haïti, yon l'autre journée tension dans la capitale là. Côté monsieur Arméo, pas décidé de chômer divers coins. Côté vraiment population, t'a posé tête des questions. Qui ça doit faire tellement et coup de balle, t'a chanté et précisément dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture situation était vraiment compliquée côté en pile employé t'as obligé courir quitter espace là malgré gros dispositif sécurité soldats FADH yo même yo mettez en place pour empêcher nèg exam pas envahi espace ça qui depuis un bon bout de temps c'est une nansib yo gagné après au fin craser pénitencier national yo attaqué palais national et bien c'est à Youn Nansib et bien et monsieur Arméo ta gagné nan moment et bien après-midi 4 mars 2024 la situation ta pral est compliquée nan aéroport c'était un gros coup de balle qui t'a chanté nan direction aéroport international Toussaint l'ouverture et n'a rappelé au t'a pral jeudi qui saute passé là un avion qui était sous tamac aéroport si là qui t'a pral recevoir un cartouche ça qui t'a pral la cause diverses compagnies aériennes d'après le prend disposition pour yo même yo pas voler et bien avion ça yo t'après rete sous tamac aéroport yo pas voler et même l'autre avion qui était supposé voler en direction Haïti obligé yo cancel tout vol yo te gagné. En parlant de aéroport international Toussaint l'ouverture gagné premier ministre Ariel Henry qui toujours nan campé loin après le te fin voyager dimanche 25 février 2024 là pour te al participer dans 46e rencontre chef d'état CARICOM yo après li t'a pral rendre dans pays Kenya qui trouvait dans continent africain pour la signer protocole accord binational qui pral bay droit avec soldat Kenya yo rentrer dans pays d'Haïti dans cadre mission à la anti mission sécurité a mesdames et messieurs il faut que nous dire et vraiment et premier ministre lui-même qui t'a supposé rentrer dans pays depuis hier dimanche là trouver dans impossibilité pour le river dans pays d'Haïti parce que pas gagné avion et cap voler en direction pays d'Haïti. Il faut que nous disions vraiment gouvernement république là mesdames et messieurs selon eh bien you note yo mettez dehors yo vraiment déclaré état d'urgence pendant 3 jours dans département l'ouest pays d'Haïti pendant tout instauré un couvre-feu dans toute capitale là sorti 6h du soir pour arriver 5h du matin eh bien décision ça qui prend après mesdames et messieurs bandi exam t'apral arrivé crasé et pénitencier national gouvernement tout qui sorti note pour le dire et pendant et période ça l'école yo a continué fonctionner administration publique yo y a continué fonctionner sur tout territoire national là mais yo bay qui type de monde qui doit dans la rue depuis le fait 6h pm pour arriver 5h du matin yo situation qui la cause gros parler en pile parce que en pile monde croit yo té gen temps dans couvre fait déjà dans pays d'Haïti depuis le fait 4h 5h tout le monde t'a essayé rentrer la caillou et dans ça qui gain pour avec écrasé prison et pénitencier national là mesdames et messieurs faut que nous dire gagné et divers noms qui étaient dans pénitencier yo même qui pas arrivé évadé parmi yo homme d'affaires ancien député et Charles Chancy lui même qui était dans espace là qui pas décidé et bien évadé et gagné tout nèg d'un coup Joseph Félix Badio qui gagné non le cité dans assassinat président Jovenel Moïse qui était dans espace tatou qui pas décidé aller marquer que ça et bien c'est après autorité au pral prendre pour al mettre yo non l'autre commissariat dans et capitale là faut que nous dire sous 4000 et prisonniers qui étaient dans pénitencier c'est seulement 99 yo joine en dans prison kounouye là qui déplace et al mette Jamsoudia non l'autre centre carcéral en dans pays d'Haïti c'est pas seulement pénitencier qui t'écrasé gagné prison civile quoi des bouquets tout qui t'a pral subi même ça avec pénitencier côté sous 1033 prisonniers qui t'en dans
nan, yo pa jwenn yon grain tout arrivé sauvé selon avocat maître Anel Rémy qui lui-même fait connait vraiment pa gon grain prisonnier qui rete en dans centre carcéral et quoi des bouquets une situation qui la cause gros tête chargée nan pays d'Haïti avec causé prison qui écrasé nan pays a mesdames et messieurs une situation nous-mêmes n'a suivre avec en pile intérêt faut que nous dou gagner et les États-Unis à travers ambassade en Haïti qui sorti une note là pour demander citoyens américains de prendre précaution et laisse ça possible pour capable quitter pays d'Haïti parce que yo même yo paix pour sécurité citoyens yo qui trouvé en Haïti et ça fait y a demandé pressé pour citoyens américains pas rester en Haïti et si là qui te gagne en tête yo pour yo rentrer garder si yo capable retirer l'idée ça nan tête yo pendant y a dit avec moun ki te gen rendez-vous dans ambassade là pour yo pas venir parce que yo pral obligé réduit nan service que yo même yo te kon a bay ces diverses ambassades parmi yo Canada, la France ak les États-Unis qui prend même décision si là pour que yo même yo pas bay service pendant jeudi lundi sans que yo pas dit qui nouvelle date y a pris fonctionnel nan international là faut que nous di yo, mesdames monsieur gagnant Nikki Haley qui arrivé remporter prix mayo dans question et prix mai qu'a fait aux États-Unis à la veille élection présidentielle américaine. Cependant Donald Trump lui-même lit toujours dans course si la information si la yo n'a gagné pour nous joindre sous la voix de l'Amérique pour plus détail n'a invité au suivre avec nous. Belizer, yon plaisir pour entrer la caillou, yon l'autre fois encore pour nous présenter yon programme dans langue créole haïtienne, c'est premier sorti nous pour semaine là. Moi c'est Jacques Belizer, quelque dans grand point cap dominé actualité. Actualité concernant pays d'Haïti, gouvernement décrété yon état d'urgence 3 jours et instauré yon couvre-feu pour département l'ouest là après plusieurs jours côté gang armé crasé deux prisons, ça qui la cause évasion plusieurs milliers prisonniers. États-Unis élection, ancien ambassadeur l'ONU Nikki Haley remporté élection primaire dans Washington, mais ancien président Donald Trump toujours été gros favori 24 heures avant Super Tuesday, Super Mardi. États-Unis justice, Cour suprême a décidé pour kembe non Donald Trump dans bulletin de vote pour élection et rejeté accusation pour rôle li ta joué dans attaque contre Congrès 6 janvier 2021. Et puis, guerre Israël-Hamas, vice-président américain Kamala Harris, mandé un cessez-le-feu pendant négociation a continué dans le pays l'Égypte. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Actualité dans le pays d'Haïti, c'est toujours une capitale qui est sous gros tension. Un pile coup de zam continue à tirer, surtout dans la zone aéroport international Toussaint. L'ouverture là, nous pour prendre contact avec le correspondant nous dans Port-au-Prince, Massado Vilme, qui lui-même est sous place pendant ce temps, gagné en pile réaction qui sortit à travers le monde sous situation dans le pays d'Haïti, parmi eux, Washington, Sandra Lemaire. Porte-parole Conseil national sécurité, la Maison-Blanche, n'en fait qu'on est responsable replacé gouvernement américain en territé en contact serré avec responsable replacé gouvernement haïtien ensemble à communauté internationale là pendant week-end pour essayer aider stabiliser situation. Kirby dit journaliste pendant une conférence pour la presse dans la Maison-Blanche lundi que les États-Unis a travaillé avec partenaires internationaux pour disposer tout de suite support pour police nationale Haïti et puis déployer plus vite possible mission support sécuritaire multinationale qui pral aider rétablir sécurité au bagage qui urgent monsieur dit. Kirby réitéré que seule façon Haïti capable faire progrès c'est à travers élections libres et honnêtes. Li ajouté et n'a cité ensemble avec partenaire haïtien nous continuer prendre engagement vis-à-vis au transition pouvoir de premier ministre actuel là à premier ministre peuple va choisir vis-à-vis élection libre et honnête ça yo. Kirby dit premier ministre Ariel Henry d'accord avec ça et que États-Unis pral faire respecter parole li. Kirby continue pour le dire, nous encourager tout acteur yo pour yo mettre peuple haïtien en premier, suspendre zak violence yo et puis faire concession qui nécessaire pour Haïti ka gen gouvernance inclusive, élection libre et honnête et puis rétablissement démocratie.
VOA Creole te mandé département d'État qui ça États-Unis paraît pour faire face à la situation Haïti. Un porte-parole département d'État te répond pour dire n'a planifié activement pour mission support sécuritaire multinationale la MSS pour aider force police nationale à faire face à situation insécurité terrible. Amélioration dans situation sécurité critique pour qu'a gagne élection libre et honnête dans un espace-temps raisonnable. Élection c'est seul chemin légitime pour rétablir l'ordre démocratique là et stabilité en Haïti. Nous continuer appuyer GFOR pour joindre une décision sur qui chemin politique pays a doit prendre pour avancer, qui gagne participation parti intéressé haïtien yo dans intérêt peuple haïtien mais progrès dans domaine ça essentiel. Dans les Nations Unies, porte-parole secrétaire général Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, exprimé qu'a sauté secrétaire a gagné pour ce qui a passé en Haïti. The Secretary General reiterates the need for urgent action, particularly in providing financial support. Le secrétaire général a réitéré besoin qui existait pour action d'urgence, particulièrement financement pour mission support sécuritaire multinationale, pour faire face à l'insécurité qui besoin résoudre courrier là et pour empêcher les haïtiens à pays à plonger plus fond dans chaos. To swiftly agree on the necessary steps to advance the political process towards the restoration of democratic institutions. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Donc, communauté internationale a continué à réagir sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti et comme conséquence au niveau international, il y a un leader CARICOM qui a annulé une réunion où il a gagné sous crise haïtienne. Yves-Manuel Gain détail depuis Port-au-Prince. Face à la situation de violence capta et bada dans le pays en dernier temps, sans compter certains acteurs politiques haïtiens qui montraient ou pas intéressés, chef gouvernement CARICOM yo reporté rencontre sur crise politique haïtienne qui te prévoit avec protagoniste. Rencontre ça, initialement, te prévoit 5-6 mars là, reporté à la 8e, selon certains responsables partis politiques qui impliqués dans la négociation. Yo. Yon a signé accord 21 décembre, M. André Michel déclaré opposition prend temps pour confirmer ou bien refuser participation. Yo. Devant situation ça, décision pour reporter réunion, c'est une décision sagesse, selon M. André Michel. Plusieurs autres responsables partis politiques, VOA Creole contacté, tant qu'au Mopod, voyez jeter invitation CARICOM nan. Bon côté PAL, parti aidé, ancien premier ministre Claude Joseph a dirigé, posé yon ensemble condition ak responsable CARICOM yo pour participer nan réunion sa. Parmi condition yo, aidé mandé clarification nan sa ki concerne titre ak qualité premier ministre Ariel Henry qui continue occuper espace pouvoir et prend décision nan non république lan après expiration accord 21 décembre 2022 et puis libération prisonnier politique yo gen divers lot estricti politique qui déclaré invitation CARICOM nan vin jwenn yo brit soukou yo poko amezi pour confirmer participation nan rencontre CARICOM nan nan pays la Jamaïque. Il y a plusieurs mois depuis dialogue politique yo au point mort dans pays d'Haïti nan dernière adresse li fait ak nation premier ministre Ariel Henry te annoncé reprise dialogue yo nan mois février cependant opposition te voye jeté appelle ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel et gros point dans cadre crise ça cap saccager pays d'Haïti c'est état d'urgence que gouvernement décrété sous département l'Ouest là pour 3 jours avec la donne tout yon couvre-feu et c'est tout ça arrivé après plusieurs jours côté gang armé yo crasé 2 gros prison, donc on a parlé de prison civile Kwade Bouke avec pénitentiaire national côté gain des milliers de prisonniers eux même qui évadés et nous allons rejoindre Massado Vilme pour nous dire nous qui genre situation est dans Port-au-Prince dans moment on a parlé là surtout bon aéroport international là côté que gain pile coup de zam capturé Massado et ba nous mise à jour. Jacques Belizier, nous trouvons exactement dans périmètre aéroport Toussaint-Louverture. Bien que nous avons été environ 1h30 depuis un petit coup de balle qui a chanté dans la zone.
nous-mêmes nous avons aussi avancé au niveau de salon diplomatique parce que il y a une information tout à fait point que le premier ministre lui-même est allé rentrer dans le pays à José même ça qui est porté nous à fournir des nous arriver dans rentrer et salon diplomatique nous était capable de bien une disposition et sécurité présent gagner et soldats ADH qui là gagner agent ISGPN que nous constater tout et nous constater tout gagner présence policier à des police administrative qui n'a pas mettre la main. Dans le moment où on a parlé ensemble à Vola, c'est un pile coup de balle qui a chanté. Ça a qui la cause gay, on s'y courit surtout de côté monde en facture de et bien, d'entrée à l'aéroport là, nous avons toujours gagné présence policière sur là. Mais si effectif là, il n'est pas en pile, il n'est pas en pile, nous sommes capables de tout gagner, machine blindée qui a circulé. Eh bien, c'est comme ça, ça y est, et faut nous dire que. Et on connaît avec voix barbecue Jimmy Chérif alias barbecue yo même yo t'ai déjà lancé opération yo contre gouvernement Ariel Henry a et bien n'a rappelé premier jour le mouvement ça et aéroport lui-même il s'est touché par impact balle que monsieur yo même de tapir nous pas connaît et qui gens ça dans l'aéroport si oui si premier ministre lui en dans l'aéroport même j'en pile monde a fait quoi là mais nous même dans périmètre là. OK, donc Massado là nous dit en pile coup de balle à tirer, nous pas contre qui côté au sorti et qui est-ce qui a tiré. Bon, apparemment selon information c'est un groupe civil armé, nous connaît qui mettait tête ensemble pour capable et pour forcer le gouvernement à remettre démission lui puisque le coup de balle a sorti dans zone et Trois-Mains, a sorti dans zone et Clairsigne, tout ce qu'on a fait. Donc, nous pas vraiment connaître qui type de monde qui a pris le main, sauf que gagner la police, gagner l'armée qui l'a pour capable répondre ensemble avec et pour contrecarrer ensemble avec ce qui a cherché à estimer la trouble et plus précisément dans le département de l'Ouest. Là. Merci, Massado Vilmé. Massado Vilmé, c'est correspondant de la Port-au-Prince. Nous avons demandé pour ne pas déplacer l'aéroport international Toussaint Louverture. Là, et d'après et quelques informations, t'as semblé que nous pas confirmé que t'as semblé que Premier ministre Ariel Henry Tava sur route pour entrer dans le pays à la Kembe nous au courant parce que nous mandel pour le rester sous place pour nous. Donc, tant que nous connaissons gagné et couvre-feu, gagné état d'urgence dans le pays à et s'arriver après prison, et ben prison Croix des Bouquets, prison civile Croix des Bouquets avec pénitencier national, et ben tant qu'on était capable de délier, il y a une prison qui était capable de gagner environ 4000 moun, et ben c'est 99 moun seulement rejoindre, et parmi prisonniers, on a gagné des Colombiens, et eux même ils ont impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Maintenant, Nathalie Deliska, c'est un avocat colombien, déclaration. Bon, espace de prison, hein, quel est l'isolement? D'habitude, le prisonnier commet un impair, c'est là où tu es contre météo, pour avoir une punition. Donc, ils ont estimé que l'espace est plus sécurisé. Donc, vu qu'il y a 17 Colombiens dans le meilleur, ils ont été obligés de réserver l'espace à 17 Colombiens qui sont clients, nous, moi-même avec mes Maisonneuve. Donc, 17 Colombiens, ça a été un espace qui est l'isolement. Pour contre, pour ne pas dire que les Haïtiens ont été seulement avec Ezekiel, que vous connaissez les Z. Eh bien, dans la nuit, je me suis dit que je ne dis pas sortir, non, pas la peine. Mais par la suite, je me suis dit que le commandant chef, le français, le bérer, tout le monde pour assurer la sécurité. Parce que ça, il y a des patients de prison, ils dépassent, parce que même ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne pas attaque, parce que les gens courent, sortir, donc ils ne pas de cabane, ils ont idée comment prison fait casser. Ils ont juste dit que les gens courent, sortir, cartouches, tirer. Ils ont senti vieux. Menacé, yo pas tant sécurité côté OTE parce que yo pas parler créole, yo pas contre ça pour yo faire tout policier, tout monde a cherché sauver pour yo, yo même yo pas gè téléphone, son grand monde qui reste ferme parler avec yo, k'ap di dégagez, gardez ça nous ka faire pour nous, gardez ça nous ka faire pour nous, gardez ça nous ka faire pour nous en tant qu'avocat yo puisque c'est nous même yo gè en Haïti. J'ai depuis hier après-midi, yo t'ai déplacé avec un char, yo renn yo kounya dans DCPJ. Grâce à Dieu, youn pas victime. Youn pas victime, mais nous t'a obligé écrit instance concernée, qui est le ministère de la Justice, pour demander d'assurer la sécurité des clients, vu que c'est étranger. Parce que jusqu'à date, c'est des présumés coupables. Nous disons que tu es tué, nous avons assassiné le président. Jusqu'à date, par le tribunal qui condamne, par le tribunal qui dit que tu es coupable. Donc, dit nous qui est-ce qui a dit que tu es saisi. Il dit même qui prend, mais même qui dit Dimitri, Dio, en aller. Donc, gagné tout Marc-Antoine Maisonneuve, qui c'est un autre avocat colombien, qui rappelait que dans l'ordre d'un juge Walter Wisser Voltaire là, eh ben, il n'y a pas inculpé monsieur colombien, en tant que maître Maisonneuve.
comme l'ordonnance à juge la reine côté le déféré également les Colombiens par devant le tribunal criminel pour juger avec assistant jury sous garde côté juge la parler de Colombien on va pas dire rien il répéter l'ordonnance ça je dis là mais celle tu reproche dit ba Colombien il dit comme ça que en tant qu'ancien militaire comme nous t'ai venu là pour te prêter la main forte à la police en cas d'arrestation individu sur la base d'un mandat qui a été décerné par un juge instructeur haïtien que nous connaissons parfaitement bien mais ça il a dit et que yo connaît qui structure il a parlé d'intérêt pour lui qui structure qui les doit accompagner et exécuter de la police là et comment il y a et Léon Charles si pas n'est parti en prison là jeudi Maron ka jeune Isoa et Dimitri Ra, il était de connaître, mais comment pour balan mais à monsieur Sao pour te faire une arrestation au niveau national. Et seulement pour ça, juge la baye et Colombien. Donc nous-mêmes, comme ordonnance 1, nous connaissons la loi, bonne possibilité pour un chemin contre ordonnance 1, et nous avons l'intention d'interjeter appel contre cette ordonnance. Et moun yo d'accord, famille yo d'accord tout. Et bon, ça qui empêche, ça fait qu'on y a l'ambadou, que nous avons déjà interjeté appel en faveur, et parce que bon, pas qu'un pays, tribunal fermé, parquet fermé, tout le bagage fermé. Pas qu'un même côté pour aller, pour faire la déclaration d'appel. Donc c'est ça qu'il faut qu'on y a là, nous toujours rester au niveau de la parole, même pour garantir quel que soit côté dossier, ça arrive, et précisément au niveau de la cour d'appel, composition à comprendre effectivement qu'ils sont innocents. Donc, vous comprenez bien que M. Maisonneuve dit que l'ordonnance là, les mêmes li indexé, mais vraiment que le juge n'a pas dit, ordonnance n'a pas vraiment dit grand chose concernant. Donc, c'était l'un après l'autre. Et Nathalie Delisca et Marc-Antoine Maisonneuve, qui sont deux avocats colombiens. Et toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti avec tout déblosaille qui gagne, et bien, les citoyens dans le département nord-est, et bien, ils ont un gros caisse sauté pour sécurité après évasion qui fait dans le pénitencier national là pendant le week-end passé devant réalité ça. Magistrat commune Fort Liberté a parité bois croisé. Et au reportage Jodley Junior Saint-Ville. Évasion qui fait dans le pénitencier national après attaque bandi armé dans la capitale là pendant week-end là qui la cause plus passer 3000 prisonniers à psychiler dans la rue déjà la guerre gros qui sauté dans mitan population nord-est là qui commence poser en pile question concernant situation sécurité dans le département nan jou k'ap vini la yo. Cunius Prosper, yon jeune dans commune Terrier Rouge dit ça qu'a passé dans Port-au-Prince qu'on y a là capable gain gros impact sur sécurité département. Dans sens ça, li déjà chita parler ak plusieurs jeunes dans commune nan et li mande yo pour yo capable pi vigilant. Moi même ça vraiment inquiété pour l'avenir des autres jeunes. Puisque ça qu'a passé dans capitale là, il gain un impact négatif la porter à travers toute l'autre commune qui en dans pays hein, puisque moi senti c'est ingérence en gouvernement qui rend ça qui a passé dans la capitale et qui a porté une conséquence qui est très grave dans les jours à venir dans les autres communes. Nous avons rencontré avec plusieurs jeunes, nous avons parlé pour nous montrer une nécessité, même pour que nous-mêmes nous unissions, nous, pour que nous surveillions la zone par nous, pour éviter trop de bagarres, trop de pertes en vie humaine ou bien en matériel, pas venir faire dans la commune par nous. Puisque nous chita avec plusieurs noyaux déjà. Sous même question ça, magistrat commune Fort Liberté, Louis-Jacques Etienne, déjà a rencontré magistrat 14 communes département nord-est là pour montrer yo importance pour monter quelques comités sécurité dans le département et une façon pour contrôler entrée sortie qu'a fait dans toute commune yo. Lorsque m'entendez déjà ça fait à Port-au-Prince, moi levé dans la matinée, moi jeune moi auprès de commissariat Fort Liberté pour me tal jeune délégué départemental là pour chita ensemble. Pour nous convoquer les maires au niveau des 14 communes du département du Nord-Est, pour nous dire dans quelle mesure nous avons une table sectorielle pour nous porter une sorte de sécurité départementale dans chaque commune, pourquoi pas le département entier. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté, au VOA Créole. Donc actualité alliée capitale là avec ville provinciale, nous sommes des gants pile coup de zam cap tiré bon aéroport international tout c'est l'ouverture là maintenant cap haïtien deuxième ville pays a gants militants petite Dessalines qui était rassemblé matin devant aéroport international au cap là pour demander responsable pas recevoir premier ministre
Ariel Henry, yon reportage et Maxino, Gérard Maxino. Bien bonnet matin lundi 4 mars 2024 là, plusieurs militants parti politique Petite Dessalines te planté piquet yo devant aéroport international au Cap-Blanc pour demander responsable dans l'aéroport là pas recevoir premier ministre Ariel Henry. L'aéroport là nous pas craser, nous pas briser parce que c'est pour mon lieu. Mais depuis nous qui Ariel descend là, nous même n'a pas prendre de l'aéroport là pour. Soit américain pour la carrière, côté du Saint-Denis. Si c'est Kenya, si c'est Kenya, on a pris le côté de l'Ensemble. Si c'est la carrière, on a pris l'Ensemble. Devant façade principale et Porto Cap-Blanc, compagnie avion qui relie deuxième ville paysan à Florida, annoncé au campé Volio pour 72 ans. Pour lundi 4 mars 2024, c'est seulement des avions qui sortent providentiel qui étaient atterri dans l'aéroport là et puis retourner à quelques passagers. Pas vraiment gain activité dans ville là pour journée aujourd'hui. Majorité l'école yo pas l'ouvrir porte yo, ça t'a fonctionné yo, t'es courir fermé et voyer élèves retourner. Malgré monde t'es campé devant banque commerciale yo ak maison transfert yo, c'est seulement pour quelques temps yo t'es fonctionné. Moun te capable remarquer bien bonnet lundi 4 mars barricade dans plusieurs quartiers dans cité Christophe. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Et puis une réaction tout qui sorti dans diaspora haïtienne aux États-Unis, nous pral d'abord dans Long Island et New York côté n'a rejoindre collègue nous Valerio Saint-Louis cap di nous qui j'en sais. Situation qui a déroulé actuellement dans le pays d'Haïti, eh bien, bah, que sauter pas bon ici dans la diaspora. Nous dans Long Island, New York, dans Elmont, New York, côté que nous parlons ensemble avec des compatriotes haïtiens et haïtiennes qui disent que la situation ça justement les déconstombré. Mon cher, ça a passé dans le pays, elle vraiment fait mal. Mon cher, je ne sais pas comment je dis ça. Ça crée des boucriers, c'est. Pas de mots pour les gens qui ont dit ça fait là. Mais j'espère que la communauté internationale là, ou bien les gens qui concernent, ils ont dit un mot. Et puis ça va changer. La situation du pays n'est pas bon. Pas bon même parce que la famille a mal vivre dans le pays. Parce que actuellement, là, c'est dans le courrier. Les traumatismes, les femmes malades, les femmes qui ont été mal, ils ont toute qualité de maladie. Je ne peux pas espérer ça pour la caille. Du tout. Je ne peux pas espérer. Je suis petit dans le pays, je suis frère dans le pays, je suis toute famille, je suis dans le pays, je suis grand-parent dans le pays. Je ne peux pas aimer le pays dans l'état ça. Et nous pas espérer, nous pas penser si c'est ça qui a fait le pays. Il y a crasel, pas de moyens pour monde vivre, personne pas vivre dans le pays. Actuellement, j'ai une belle même, beau frère, belle sœur qui était la plaine. Il y a une qui tombe là dedans puis elle manque cassé. Et dans l'école, il a dit mieux réfugié. Il y a pas qu'on doit un côté pour dormir, il y a pas qu'à l'encaille. Ça me tente de Haïti qui a passé, ça va me tête faire mal, m'a vite tourner dans le pays, m'pas qu'à tourner. Celle ça m'a demandé pour Ariel quitter pays pour le bailler un autre monde qui un autre dirigeant diriger sa carrière diriger sa femme fait bien mes petites familles moi pas au prince yo pas vivre en paix même dans pays yo et même au caillou ta remet à le yo pas ca aller pas gain côté pour que pour passer les m'apprendre nouvelle là il vraiment fait impact sur moi parce que moi gain maman frère sœur en bas ça fait vraiment la peine. Et moi-même, ça m'est capable de dire, nouvelle m'est capable de voir, c'est que le peuple prend destin en main, que toute nation prend destin en main, pour qu'ils font révolte, pour qu'ils sortent tête dans sa rue. Bon, même moi, je fais caille, je fais me courir quitter caille. C'est pas vrai, bandit fait ça? Bandit fait me courir quitter caille. Je me sauve quitter caille à tout bas et la donner. Bon, c'est grâce à mon famille qui entre moi. Bon, on est nègre là, nègre pourquoi te gagner. Et monsieur gang yo dit que yo a aidé c'est pour peuple yo c'est menti a bail c'est pas vrai parce que ça a fait
si on tape des peuples là, et pas ça on tape fait, peuple a couru, peuple a pas un côté pour dormir, peuple a pas contre qui route pour le faire. Et puis il dit après des peuples, qui ça vous fait pour peuple là, il en prison, tout l'autre monde qui t'a tué mon yo met tout dehors yo la gueule. Ça qui passé pendant week-end là, moi crois que son bagage qui baille la fièvre peut-être fait mal. Moi-même personnellement, moi j'étais habité Port-au-Prince, moi Cafoufeuille, moi gen caï, moi ça fait longtemps depuis bandi prend. Nous demandons à Fouariel quitter le pays. Il faut que le pays ait un autre espace pour nouvelles générations qui ont moyen pour diriger le pays. Je nous soutiens là, les Haïtiens qui vivent dans la cour New York, ils sont très concernés et ils ont un cœur sauté sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Ils ont aimé la situation ça résoudre. Valerio Saint-Louis, pour VOA Creole, depuis Elmont, New York. Au souvenir à Creole, pas déplacé. État-nation, président Joe Biden va présenter bilan politique li by nation dans yon discours devant deux chambres congrès réunies et devant nation américaine. Jour cap jeudi 7 mars 2024 ça. VOA Creole a sous place dans Washington DC pour pote ba ou live en direct. Discours président américain en créole. Journaliste VOA Creole ensemble avec des invités analystes politiques va permettre ou vivre événement politique ça. State of the Union. État-nation branché sous VOA Creole à partir de 8h30 sous toute plateforme VOA Creole. Branché VOA Creole. Et puis, Serge Rodriguez pour aller quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici, aux États-Unis. La Cour suprême États-Unis votait jeudi lundi à l'unanimité pour établir non ancien président Donald Trump sous bulletin vote État Colorado dans le cas d'élection primaire. Tout juge dans le tribunal sur le territoire américain rejeté tentative État Sata fait pour interdire participation de M. Trump dans l'élection primaire Colorado pour implication li dans la révolte qui était éclatée dans le Congrès dans le 6 janvier 2021. Cour suprême qui rend verdict ça 24 temps avant déroulement élection supermadia fait qu'on n'ait aucun État américain pas le droit invoquer un article dans la Constitution qui était entré en vigueur après guerre civile, mi-temps année 1800 pour éliminer non un candidat présidentiel et que c'est seul Congrès qui a une capacité pour le faire ça. Ancien ambassadeur des États-Unis des Nations Unies, Nikki Haley, qui a cherché un investiture parti républicain pour l'élection 2024 là ici aux États-Unis, et bien il a remporté première victoire dans Washington DC côté il a ramassé plus passé 62% en voix. C'est une victoire historique pour ancien gouverneur État Caroline du Sud là qui toujours subi des défaites en face ancien président Donald Trump jusque là et même dans propre État palien parlant de Caroline du Sud. Victoire Washington DCA qui baille campagne ancien ambassadeur des Nations Unies plus force pour affronter M. Trump dans l'élection supermadia qui va dérouler dans la date 5 mars là dans plus passé une douzaine d'États américains. Malgré M. Trump, ses favoris pour lever maillot là, victoire Mme Haley dans la capitale américaine a signalé une plus bonne trajectoire pour ancien ambassadeur des États-Unis dans l'ONU en démarche la faire pour joindre l'investiture parti républicain pour l'élection 2024 là. Ancien responsable financier organisation Donald Trump là, Alan Weisselberg, plaidé coupable jeudi lundi a peut-être débat tribunal information département en déposition l'été bail dans procès civil pour fraude contre ancien président Donald Trump. Alan Weisselberg qui a 76 ans jeudi a te rend tête li bien bonheur jeudi lundi a dans bureau procureur New York là et il était gain minute dans main li dans tribunal état côté li plaidé coupable pour mentir l'été bail la justice sous question. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et puis, nous avons retourné dans l'actualité concernant le pays d'Haïti avec une réaction qui sortit dans la Floride côté artistes haïtiens, eux-mêmes qui vraiment et pas content de ce qui a passé dans le pays à Luxon Saint-Ville. Haïti, vous avez été conscient. Haïti, vous avez été dans la situation qui est choisie là. Même Jacques divers l'autre prestation li, Cadillac pas raté occasion pour exprimer frustration sous podium championnat Madame Gougous. Après performance jeune artiste là, nous t'es passé pas des stage là pour demander l'impression. Mon cher un moment m'est capable dire Haïti pas men l'aime t'es pipiti. C'est vrai ça pas de bon. C'est vrai ça pas de bon mais pas dans niveau ça monsieur. La conscience morale est le pouvoir que nous avons pour distinguer le bien et le mal. On identifie bien yo avec mal, on ne sait pas faire mal. On met tête nous ensemble pour nous retirer Haïti dans ça que l'IA. Qui ça qui t'a dû faire pour situation changer en Haïti? Magdi, chanteur harmonique, réponds-nous comme ça. Ah? Pas même, Gadi, même. Les nous persister, artistes là décidé de casser Timo sur la parole avec nous, mais avec un pile frustration.
C'est Haïti, c'est nous tout à fouel la rentrée de juin jour. Et moi-même, là, je parle en tant qu'artiste. Je parle avec trop d'émotion, je parle avec tout cœur, mais puis il va en avoir un jour après. Qui soit pas ce que tu as doué faire? I don't know. Marronné, man. Marronné. Franchement, marronné. Jean-Hérard Richard, maestro groupe classe, qui nous t'a rencontré des podiums dans tout, pas de cachet déception. Pour jouer la situation a dégénéré en Haïti. Nous, chaque guerre, c'est nous en bas. Nous avons des familles en bas. Nous avons un paquet de choses pour nous, c'est pour nous gérer en bas. Pour nous, le en bas bloqué, c'est que nous rêvons nous bloquer. Ce n'est pas un monde qui vient là faire vieux, vraiment. Tout le monde vient là temporairement réaliser, soit réaliser et puis pour gérer. Les gens sont embarrassants. Tout le monde est payé, pas nous seuls qui sommes payés. Je suis pas confortable. Je suis pas confortable. Même Jacques Richie, plusieurs autres artistes sentis pas confortable dans ce qui a passé dans le pays. Sur les réseaux sociaux, en pile là-dedans, commencez à lever voix pour m'aider une chance pour Haïti. Depuis notre Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, Bouvéoua Créole. Merci Luxon Saint-Ville et c'est avec un reportage ça que nous avons mis fin dans le programme aujourd'hui. C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous servir, c'était le premier sorti pour une semaine. Nous voulons dire nous déjà passé une bonne semaine de travail. Prends précaution tout côté, nous praler. Et nous voulons remercier tout le monde qui a contribué pour mettre le programme ça sous pied avec l'équipe solide là, Jean-Marc Hervé Abella, Fred Kaimi, sans oublier gentil, Augustin Junior et puis tout le monde. Moi c'est Jacqueline Bélisère, donc rendez-vous c'est pour demain. Kembe là, par la guerre.